Alors, j'avais choisi le cycle CPI de Rennes parce qu'au lycée, la chimie était ma matière préférée et je savais que je voulais continuer dans cette voie. La prépa classique me faisait un peu peur du fait d'être évaluée sur un concours après 2 ans de travail. Donc le cycle CPI de Rennes me semblait être le meilleur compromis pour pouvoir continuer dans la branche que je voulais, mais avec moins de stress. Alors c'est vrai que la CPI, enfin les 2 années de CPI sont quand même des années assez denses, mais je pense que ça c'est pareil pour tous les cursus post-bac. Ce que j'ai beaucoup apprécié au cycle CPI de Rennes, c'est que les encadrants sont très présents et toujours bienveillants avec nous, très disponibles pour répondre à nos questions. L'autre aspect qui m'avait beaucoup plu, c'est qu'on avait un temps de travaux pratiques au laboratoire assez conséquent, ce qui permettait vraiment d'apprendre la chimie telle qu'elle est vraiment. Ce qui m'a le plus marqué pendant ces 2 années de CPI, c'est que j'étais dans une classe où il y avait la moitié des élèves qui étaient des élèves internationaux. J'ai du coup, durant ces 2 années, fait des rencontres incroyables. Ça m'a aussi apporté une culture sur le monde que je n'avais pas auparavant. Et grâce au cycle CPI de Rennes, je me suis fait des amis aux quatre coins du monde. J'ai aussi beaucoup apprécié le fait que les promos n'étaient pas trop grandes, donc on apprenait rapidement à connaître tous nos camarades. Et on travaillait beaucoup en projet, ce qui est une nouvelle façon d'apprendre qu'on a moins au lycée et qui permet de travailler différemment. Après le CPI, j'ai choisi de rester à l'École nationale supérieure de chimie de Rennes pour mon cycle ingénieur. Tout d'abord parce qu'ils avaient la spécialité que je souhaitais étudier. Ensuite parce que c'était proche de ma famille, donc c'était important pour moi de ne pas m'éloigner de ma famille. Et le cycle ingénieur s'est très bien passé. Quand on est en CPI, je trouve qu'on est très bien préparé au cycle ingénieur par la suite. Je pense que c'est vrai pour toutes les écoles d'ingénieurs, n'importe laquelle vous choisirez, parce qu'on a déjà l'habitude, comme je l'ai dit, d'apprendre en travaillant en projet, d'avoir des enseignants-chercheurs. Donc je trouve que c'est une continuité logique et que la transition se fait très bien. Pendant mon cycle ingénieur, je me suis spécialisée en chimie organique. Donc c'est la branche de la chimie qui permet de comprendre la matière vraiment au niveau des atomes et des molécules, donc ce qu'il y a de plus petit. Et j'ai choisi ce domaine parce que c'est celui qui m'intéressait le plus pour ma future carrière. Après l'école d'ingénieur, j'ai d'abord fait une thèse, toujours à l'école de chimie de Rennes. Et ensuite, à la suite de cette thèse, j'ai pu intégrer une entreprise pharmaceutique. Et je travaille donc dans le développement de nouveaux procédés plus respectueux de l'environnement pour la synthèse des futurs nouveaux médicaments. Alors déjà, la chimie, elle est partout autour de nous. Donc c'est un domaine d'avenir et on a besoin de vous. Donc si vous êtes sérieux et motivé, n'hésitez pas, c'est une super école. Lancez-vous et candidatez.